Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Over Quest, où on se retrouve pour torturer un petit peu Guimauve, qui devait s'entraîner à devenir un guerrier avec son magnifique bandeau. Et on devait le faire passer dans le petit chemin de lave. Alors, après c'était bleu je crois, pas du tout, c'était vert. Vert, voilà. Après c'était bleu. Après c'était marron. J'ai été trop loin. J'étais en train de réfléchir à quel était celui activé en bas là, et j'ai complètement oublié d'activer en haut. C'est ballot. Donc, vert. Ensuite, après le vert, une fois qu'il est bien passé, bleu. Voilà, cette fois on va se concentrer. Marron. Donc marron, il descend. Après bleu. Donc là, faut faire gaffe, il va faire demi-tour, mais on sait pas encore trop où il va aller après. Je pense que c'est vert, ouais, voilà. Merde, par contre, après c'est quoi? Rouge? Non. Marron? Non. Il va où? Bleu? J'ai pas vu où il allait. Est-ce qu'il allait en haut? Je pense qu'il allait en haut. On va essayer de regarder quand on activera le bleu. Non, le vert, le vert! Bordel! Ah, c'est compliqué quand on parle en même temps de se souvenir de tous les moves, quoi. Ok, vert. Marron, non, bleu. Après marron. Voilà. Après, ce sera de nouveau bleu. Hop. On va tester en speed, là. Ok, donc on remet le bleu. Après vert. Par contre c'est lequel qui va là? Ah, bleu de nouveau. Rouge. Marron. Oui! JJ! J'ai réussi! Je te félicite mon jeune apprenti. Tu as parcouru la moitié du chemin qui te mènera vers la véritable puissance du guerrier. Allez Guy, tu peux réussir! Nous allons maintenant développer ta force, un jeu d'enfant. Ah, la souris, lui la souris. Guy, tu vas devoir soulever ce rocher. Et moi? Comment puis-je l'aider? Tu peux m'encourager, je compte sur toi mon pote. Alors, on peut appuyer rapidement sur la touche action pour soutenir Guy. Ouais, allez, courage, c'est trop dur. Allez Guy, ne faiblis pas. C'est bien, allez! Ah, mais si j'appuie vite, on perd les phrases aussi. Tu es presque, putain, tout petit peu! Je vais vaincre! Je suis trop fort! Il ne faut pas succomber à l'orgueil, tu n'es encore qu'un novice. Pardon, maître! Ce n'est pas grave. Il te reste une petite épreuve à passer. Par ici, on appelle ça la grande gueule. Qu'est-ce que c'est? Vous découvrirez ça les mouvements venus, direction Bourinopolis. Ça sent l'arnaque. Oula. Alors. Si vous êtes réunis ici, c'est pour une seule et même raison. Voir des adversaires se dévier dans une joute verbale jusqu'à ce que l'un des deux aille pleurer dans les jupons de sa mère. Le vainqueur gagnera le droit de se la péter un max, ou un sandwich à la fraise, c'est au choix. Qui veut affronter notre champion? A toi de jouer, Guy. Vous êtes sûr, maître? Le champion est un sale type. Raison de plus pour le remettre à sa place. Tu vas le laminer. Ok, j'y vais. Moi. Nous avons donc notre challenger. Comment t'appelles-tu? Guimauve. Salut Guimauve. C'est parti. Toute petite chose. Je vais ne faire qu'une bouchée de toi. Commence, vas-y. On va l'encourager. Démonte-le! Même pas vrai! Je suis trop gros pour me faire manger en une seule fois! Et idiot en plus! On va rien faire. Et on en parle du petit bois qui te sert de cerveau! On commence à avoir un peu de répartie! Tu me cherches morveux! T'as une tronche de nœud, aucun charisme, mais tu crois que tu peux faire mieux? Est-ce qu'il peut nous aider, Nikolai? Maître Kido, vous n'auriez pas un petit conseil à lui donner?
Guy, il utilise des rimes, faisant de même, Baleu à son propre jeu. Je suis peut-être peureux et tout mielleux, mais moi au moins, mon cerveau ne sonne pas creux. Et bam! On dirait que notre champion s'est trouvé un adversaire à sa hauteur. Pause! Tu t'en sors bien, continue comme ça. Merci, maître! On reprend. Ok, Moviette, tu veux la guerre? Est-ce que tu as ça, toi? Hihi. Ok! C'est l'heure de ma technique de charisme ultime! Oula. Kawaii Desu! Trop de mignonitude! K-K-K-K-K-K-O! Nous avons un nouveau champion de la grande gueule! Youpi! Tu es prêt pour affronter moi et devenir un véritable guerrier. Direction le bar Tabas! Défait par de la mignonitude. Cette fois, je vais te vaincre! Strange, je ressens de la peur. Bah oui, tu m'étonnes. Tu l'as entraîné. Allez, petit truc rose, tu m'as battu, tu vas le démolir! J'ai hâte de voir ce que ce combat va donner. Par la colère du désert! Oula. Ah, en un coup, quoi. Ok, donc on est effectivement décédé. Très bien. Bon, bah il a intérêt à nous récompenser en conséquence, hein, parce que... C'est pas très très agréable de mourir hein, comme ça. Parfait, il est là. Je t'attendais! Tu as bien changé, j'ai encore mal du coup que tu m'as donné. J'ai peut-être un petit peu forcé. Tu as atteint ton rêve, je suis heureux pour toi. Nicolas, il n'est pas là? Il est rentré chez lui, il m'a dit que je n'avais plus rien à apprendre de sa part et que je devais parcourir le monde pour progresser. On se reverra? Bien sûr, ma première destination sera la forêt fantastique! Génial! Avant que je ne parte, tiens! Ah, on a l'insigne de Pocus qui est rouge, ce qui est très très bien. Merci Guy. Lorsque tu rencontreras Auguste, dis-lui que tout va bien, je sais qu'il a toujours été inquiet pour moi. Je n'y manquerai pas. N'oublie pas que le tombeau d'Auguste se trouve à l'ouest du campement. Au revoir, tu vas me manquer. Toi aussi, à bientôt. Sniff. Bien, 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 bien. Plus qu'à rentrer pour voir si l'insigne m'ouvre le passage vers l'ouest. J'espère qu'il arrivera vite à la forêt fantastique, ce petit bout tout rose me manque déjà. Bon bah, effectivement, on avait plutôt fait le tour de toutes les quêtes dans le coin, pour, je pense. En tout cas, il n'y a rien que je vois qu'on ait oublié. Si jamais vous voyez des trucs que j'aurais pu oublier, n'hésitez pas à me le dire, hein, bien sûr. On va, en attendant... retourner à la forêt. Ouais, fusil divisé à la banane cette fois. Bon alors par contre lui, j'ai toujours pas compris ce que ça pouvait faire de le faire planquer dans son coffre, mais peut-être qu'un jour je trouverai. Alors en attendant, on va essayer de retourner dans le truc là. Je dois faire attention, c'était pas un lapin normal, non, il a l'air sournois, cruel et irascible, et en plus il fait des bons. Je crois qu'il n'y a aucun moyen de se faire tuer par les lapins, malheureux. En tout cas, pas que j'ai trouvé, donc pas de référence directe au Monty Python. Alors, voyons voir... Après, le lapin en lui-même est une référence au Monty Python. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est pas ce truc-là. Donc ça résonne aux échos du passé. Donc c'est, je pensais que c'était cette porte-là, la porte d'Auguste, mais c'est pas celle-là. Et on a toujours que deux lumières allumées dessus. Hein. Ah, donc c'est pas ça l'ouest. Alors, après, l'ouest, on a là aussi, vers l'ouest. On peut essayer d'aller par là-bas. Ok, donc non, on crève toujours si on va par là. Ah mais non, je suis bête, ça doit être la barrière magique. Ça doit être la barrière magique à tous les coups. La barrière magique qui est là-bas. Mais oui, il n'y a plus de barrière magique. Je peux maintenant traverser la barrière. Parfait. Alors, on a ici un espèce de mec un peu flippant.
J'ai mis des pièges à loups partout, je finirai bien par en attraper un. Pourquoi chassez-vous les loups? Pour remplacer le renard sur mon crâne. Ah ouais, ok, sur un mec sympathique. Donc le piaf il s'envole, ici il y a une vieille ruine. Donc effectivement il a mis des pièges partout, hein. Faut faire un peu gaffe. Ah là-bas il y a un écho. J'ai failli pas le voir avec le reflet. Vous découvrez un écho du passé. Oula. C'est la dernière ligne droite. On ne peut plus reculer. Au lieu de déclamer des évidences, bougez au cul! Pardon, Zef, on arrive. Ma maison est grandement affaiblie. La porte Wet, Deepstone, n'a donc pas été correctement protégée. Elle se trouve à l'opposé de notre position et lui semble sûr. C'est là que nous devrons frapper. Cette phrase était compliquée. Et on fait ça comment? Auguste, on a des pouvoirs pétés, oui ou non? Oui, mais il n'y a pas de main qui tienne, apprenez à vous en servir! Ok, donc là on est visiblement sur le groupe d'Auguste, mais Auguste était un peu naze à l'époque. Nous allons gagner, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Y'a un autre des phrases réconfort aussi nul? Ah, y'en a un qui s'est pris un coup de marteau sur la tronche. Désolé, je suis fatigué. Nous avons tous les nerfs à vif, il va payer pour tout ce qu'il a fait. Ah, c'est Nikolai derrière. Merci Nikolai, le sort de téléportation ça va prendre en combien de temps? Non, mais ces gens ont quel âge quoi? J'ai jamais rien fait d'une telle envergure, pas la moindre idée du temps que ça va prendre. Fais aussi vite que possible, nous n'avons que peu de temps avant que le tyran ne se ressaisisse. Je vais motiver les troupes pendant que vous achevez les préparatifs. Ok, donc là on est sur la guerre du tyran. Très très bien. C'est marrant parce qu'il y a une histoire qui est quand même vachement, vachement profonde derrière. Tiens, il y a des grenouilles. Il y a sûrement moyen de faire des trucs sympas avec ces grenouilles. Il y a la petite grenouille. Croix. Ok, on peut pas l'embrasser. Merde, la branche. Ok, c'est un arbre à branche. À retenir. Hop, hop. Donc on va essayer d'aller voir le crapaud plutôt. Ça a l'air d'être un crapaud le truc marron. Là. Ah merde, il est devenu... il est là maintenant. Croix. Oula. Oui, maître. Ok. Donc là, on est sur la fanfare du crapaud, peut-être. Gloire au grand crapaud. Mon sang est sien. Ok. Bon bah voilà, ça c'est fait, le crapaud mystique, très très bien. Ok, donc le crapaud marron, on évite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on a un très gros rocher. On aura peut-être moyen de lui faire péter à la tronche. Ah, ici on a un lapin violet fort prometteur. Ne mets pas tes doigts dans le piège d'eau ou tu risques de se faire très mal. Un lapin qui parle. Parfait, ici on a un trou. Ah, ok. Très bien. Parfait, parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, c'est Madame Sacapus. C'est la mari, enfin la femme plutôt. La mari, n'importe quoi. La femme du chien qu'on a trouvé à côté de Smug. J'ai du ménage à faire, sortez d'ici. En eau ici. Ok, visiblement pour l'instant on peut rien faire avec elle. Bon, peut-être qu'on débloquera un truc plus tard. Donc attention au piège à loup, on peut pas reboucher le trou, non? Comme des gros enfoirés, non, on peut pas reboucher le trou apparemment. Alors, un crapaud marron et un pêcheur ici, on n'a pas été lui parler. Le pêcheur est concentré sur sa ligne et ne fait pas attention à ce qui l'entoure. Ok. Donc apparemment on peut rien lui faire de particulier, attention à la branche ici. Donc l'écho du passé on a déjà vu. Là il y a le rocher, je me demande si on pourrait pas le faire exploser avec le mec qui fait tout exploser là. Petit papillon. Non,
Pas rien de spécial avec le petit papillon. Ah, le trou sans la route. Le piège. Comme ça, on va pouvoir retourner voir le mec qui fait exploser des trucs, pour la peine. Alors... Hop, hop. Ok, donc non, c'est toujours le mur fissuré qu'on peut lui faire péter, mais pas le gros rocher. Donc c'est pas grave, on va du coup partir bah, par là. Hein. Ah, il y a des pentacles. Ah merde. Ok, il y a des pentacles, mais c'est pas le bon plan de marcher dessus. Très très bien. On tâchera de s'en souvenir. Hop là. Donc ça ressemblait, donc il y a le tombeau de Nikolai, sauf qu'il était pas mort. Il y a la meuf qui avait son gros marteau là. Zeph, fille d'Ipstow et héroïne de Gover. Zeph. Nikolai Kido, combattant de Brutopia et héros de Gover. Zeph. Ah, mais c'est pas la forgeronne qui s'appelait Zeph? Zeph. C'est complètement elle. Ah oui, donc c'est complètement elle, mais par contre on peut pas lui dire qu'on l'a reconnue ou je ne sais quoi. D'accord, très très bien. Bon bah on a une héroïne en vie, donc mine de rien, on dirait qu'il y a que August Pocus qui est mort et c'était il y a au moins un siècle, je crois. On est sur des héros plutôt vieux. August Pocus, sortier de Hagendas, héros de Gover. Alors, est-ce qu'il y a moyen de se barrer par en bas ici? Ça ressemble un peu à un chemin. Ok, ça nous ramène là. Donc on va plutôt essayer de prendre la porte derrière. Des jolies statues. Les anges de pierre irradient d'une aura de pureté. Parfait. Quel joli jardin. Ici, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs ou de pièges, ça change un peu, un endroit un peu paisible. Rentrons donc dans cette cathédrale. Alors, il y a des trucs qui brillent. Ok. T'es qui toi? La prêtresse. Bienvenue dans le sanctuaire de l'Auguste Auguste Pocus. L'Auguste Auguste Pocus. Vous pouvez aller prier sur sa tombe en descendant ses escaliers. Les héros de Gover ne doivent pas être oubliés. Ok, donc il y a des vases avec des fleurs mortes. Hop là. Le tombeau a été profané à coups de pioche. Ah, sympathique. Oula, qu'est-ce qui se passe? Voleur, voleur mes os, rends-les-moi! Mais... Tu viens prendre ceux que tu as oubliés la première fois, c'est ça? J'ai rien fait, moi. Regarde-moi dans les yeux et jure-le! Ah ah, tu ne peux pas, menteur, tu es démasqué! Bah, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'yeux. Effectivement. Adada Bradaka! Ah. Bah, peut-être falloir arrêter de faire le malin avec des sorciers squelettes. Un sorcier à qui on aurait volé les os. Faut que je retrouve l'homme chien. Oui, effectivement. C'est vrai que c'est pas faux. C'était les os du sorcier là. Ah. Ah bah le jeu a crashé. Donc je sais pas si c'était passé un truc qui a fait que. Ouais bah non bah il a planté. Il a planté, mais du coup l'épisode était de toute façon suffisamment long, donc on va s'arrêter là, c'est l'occasion. J'espère que ce petit épisode vous aura plu, on avance dans l'histoire. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue ce let's play, je continue à faire l'histoire, qu'on apprenne un peu ce qui se passe, ou si vous voulez qu'on s'arrête là pour pas être trop spoilé. Parce que je vous rappelle que le jeu est désormais sorti et qu'il est totalement gratuit, donc vous pouvez le télécharger et y jouer et découvrir l'histoire par vous-même si vous avez envie. Donc n'hésitez pas à en profiter.
Je vous mettrai les petits liens qui vont bien dans la description. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez qu'on continue, sinon je m'arrêterai là peut-être, je le jouerai de mon côté pour savoir un peu comment ça se passe à la fin. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.